Bonjour, j'avais présenté dans une vidéo précédente l'ensemble de l'application. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode de travail sur EcoGuide, par quoi il faut commencer et qu'est-ce qu'il faut faire après, et qu'est-ce qu'il faut faire après, ainsi de suite. Je ne vais pas détailler les modules, je vais juste expliquer le séquencement de travail sur les modules d'EcoGuide. Il y aura d'autres vidéos dans lesquelles je vais détailler chaque module à part. La première chose, c'est de créer les profils des utilisateurs de l'application et attribuer les droits à chaque utilisateur. Il faut venir sur paramètres sécurité et c'est là qu'il va falloir créer pour chaque utilisateur ses propres rôles et spécifier son propre mot de passe. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de modifier le mot de passe de l'administrateur. Une fois que c'est fait, il faut paramétrer l'école, c'est la première chose à faire. Après, il faut créer les branches. Il faut créer les matières de la branche ou de la filière. Pourquoi ? Parce qu'on en aura besoin pour la création des profs. Éventuellement, si on le veut, on peut créer les séquences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il contient comme contenu et la durée de chaque contenu. Puis, je peux faire le logigramme. Le logigramme, c'est le séquencement des modules dans l'année. Je vais bien sûr revenir là-dessus dans une vidéo à part et faire le calendrier des vacances de toute l'année. Une fois que toute cette partie pédagogique est faite, je peux revenir pour créer les professeurs avec lesquels je vais travailler. Et pour chaque professeur, je vais saisir ses disponibilités et ses compétences. Voilà, maintenant j'ai les modules de chaque filière que je peux affecter au prof. C'est pour ça qu'il fallait commencer par la partie pédagogique avant de continuer le travail sur l'application. Donc une fois que j'ai créé tous les profs avec lesquels je vais collaborer cette année, ou même la base de données des profs qui ont déposé les CV au niveau de mon école, je peux créer la plateforme physique de mon école, à savoir les salles. Donc chaque salle, je vais préciser sa capacité, je vais préciser son type. Et ça va être très important lors de la planification de l'emploi du temps, parce que quand je vais choisir une matière de type cours, ils vont proposer les salles de type cours. Quand je vais choisir les matières de salles de type informatique, ils vont proposer les salles de type informatique. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé toute la partie plateforme, l'école, les branches, les professeurs, les salles et toute la partie pédagogique, les matières, les séquences, le logigramme, les vacances et même les stages, je peux commencer à faire de la scolarité. Alors pour faire de la scolarité, je dois créer des classes et inscrire des étudiants dans ces classes. Donc bien sûr, les classes seront créées par filière. Pour chaque filière, j'ai un certain nombre de classes et ces classes, ils ont un niveau, ils ont un type, ils ont un mode. Et puis après, j'aurai une base de données d'étudiants de toute l'école. Donc là, j'ai tous les étudiants de l'école que je peux bien sûr rechercher. Et ces étudiants, je vais les inscrire dans une classe. Donc c'est un étudiant qui a eu comme inscription la bureautique et l'anglais. Et je peux avoir des étudiants qui sont inscrits dans l'anglais. Et celui-là, il est inscrit dans TRI première année. Et l'année prochaine, il sera inscrit dans TRI deuxième année et ainsi de suite. Donc je vais avoir ici l'historique de ces inscriptions. Une fois les étudiants sont créés et les classes sont créées, je peux faire les inscriptions soit d'une façon individuelle, soit je vais faire les inscriptions de masse, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. C'est tous les étudiants d'une première année qui vont passer et je vais leur faire la préinscription pour passer à la deuxième année, en attendant qu'ils fassent leur paiement pour que leur préinscription soit validée. Donc lorsqu'ils effectuent son paiement, on valide la préinscription en cliquant sur ce bouton. Bien sûr, ce bouton n'est disponible que pour l'administrateur et pour le responsable des paiements. Donc une fois la scolarité est faite, on peut commencer à faire des inscriptions. Bien sûr, sur la liste des étudiants, on ne peut afficher que les étudiants qui sont inscrits. Les pré-inscrits sont affichés dans cette liste. Donc pour le moment, on n'en a personne. D'accord ? Et puis après, je peux imprimer la feuille d'absence, je peux imprimer la liste d'émargement, je peux imprimer la liste d'émargement des EFM, je peux imprimer le trombinoscope où il y a des photos des étudiants. Donc tout ça, je peux l'imprimer et je peux même notifier les étudiants de cette classe par SMS. Pour la notification SMS,
On peut notifier les étudiants d'une classe, on peut notifier les étudiants d'une filière, donc là j'ai tous les étudiants de la filière, comme je peux notifier tous les étudiants de l'école, donc là j'ai toute l'école, et je peux bien sûr notifier un étudiant à part. Juste cet étudiant sera notifié, je vais avoir ici que cet étudiant, il est inscrit dans deux classes, c'est pour ça qu'il a été affiché deux fois. Voilà, donc bien sûr je peux gérer les abandons si jamais durant l'année je marque des abandons. Donc voilà, on a terminé toute la partie pédagogique et la partie scolarité. On peut commencer maintenant ce qu'on appelle la logistique. C'est la création de l'emploi du temps, l'affectation des salles, des profs et des matières. Donc comme vous voyez, il y a ici un code couleur qui va nous aider. Bien sûr, je vais revenir sur l'emploi du temps dans une vidéo bien détaillée. Une fois l'emploi du temps est fait, on peut commencer chaque jour à suivre les réalisations, et on va dire que durant ce dimanche, on a ces deux matières. Il y a des écoles qui travaillent les dimanches, c'est pas étonnant. Le lundi, on a ces matières-là, le vendredi, on a ces matières-là, et on peut marquer la présence. Après, on peut voir un groupe, qu'est-ce qu'il a réalisé, un professeur, qu'est-ce qu'il a réalisé, les séances qui n'ont pas été réalisées, les séances qui ont été effectuées sont des séances de rattrapage, l'avancement du programme, on peut voir le pourcentage d'avancement du programme, et on peut voir tout ça. Donc, bien sûr, on peut ici effectuer les paiements. Pour effectuer les paiements, c'est au moment de l'inscription qu'on le fait. En amont, on a précisé chaque service avec ses tarifs. Donc ça, bien sûr, c'est le directeur qui va décider combien l'étudiant doit payer pour l'inscription technicien, combien il doit payer pour l'inscription technicien spécialisé, pour la formation continue, ainsi de suite. Et puis après, lorsqu'un étudiant va s'inscrire, on va dire qu'il doit payer une fois l'inscription en formation continue et 10 fois la mensualité, ou 11 fois, ou 9 fois, ça dépend de vous. Et on va choisir le type de règlement. Donc on fait ce qu'on appelle une fiche qui contient l'ensemble des services que l'étudiant doit payer. On va étaler tout ça sur l'année. Quand est-ce qu'il doit payer l'inscription, quand est-ce qu'il doit payer la première mensualité, la deuxième mensualité, la troisième, et ainsi de suite. Et on commence à recevoir les paiements. Ce qui a été payé est en vert, ce qui n'a pas été payé est en retard et en rouge, et ce qu'il doit payer et qu'il n'a pas encore, c'est pas encore le temps, c'est en bleu. Et là, on va voir l'ensemble des retards de l'école. Tout ça, on va le voir d'une façon plus détaillée. Donc c'est dans cet écran qu'on va gérer les paiements des étudiants. Après, on peut gérer les paiements des profs, et on a deux types de profs. On a les vacataires qui sont payés à l'heure. Donc chaque mois, le système va compter automatiquement le nombre d'heures réalisées avec le taux qui a été affecté au prof lorsqu'on a créé le prof ici. Il va calculer le total et je vais pouvoir imprimer la fiche de paiement et je vais pouvoir visualiser l'historique des paiements. Et pour les permanents, c'est un autre système, donc il a un salaire, donc il doit être payé chaque mois le même salaire, sauf si il a eu des avances ou il a eu des primes ou des retenues qu'on peut saisir ici, qui seront calculées automatiquement avec le cumul sur le salaire pour préciser le salaire de son paiement. Voilà, il y a une gestion financière, c'est une gestion de caisse en quelque sorte, sauf qu'il ne contient pas que le liquide, il contient aussi les chèques, les paiements par virement et tout, donc c'est toute la gestion financière de l'école. À chaque fois qu'un étudiant me paye, c'est un revenu, à chaque fois que je paye un prof, c'est une dépense, et bien sûr, je peux ajouter d'autres dépenses, par exemple l'électricité, l'eau, la femme de ménage, le loyer et tout ça. Je tape le montant et je l'ajoute. Bien évidemment, on peut gérer les examens. Ça vient à la fin de l'année. Il faut préciser les coefficients de chaque matière. Il faut exporter, si on veut que les profs travaillent sur Excel, on va leur exporter les feuilles de saisie sur Excel. Une fois qu'ils sont saisis, on va les réimporter dans l'application. On va modifier les notes si on le veut. On va taper les notes qui n'ont pas été saisies sur Excel. Et puis après, automatiquement, on va éditer tous les bulletins et tous les PV de notre école. Et finalement, sur l'écran d'accueil, on a ici les statistiques qui ne seront visibles que
par l'administrateur ou par les personnes qui ont le droit de voir les statistiques, on peut faire visualiser les chiffres d'affaires par mois, par branche, par service, et ainsi de suite. Vous pouvez nous contacter sur le numéro de téléphone que vous voyez. Notre site est affiché ici. Et envoyez-nous des emails si vous avez des questions. Merci.